C'est un A320 comme celui-ci qui a brusquement disparu des radars. L'avion MS-804 d'Égyptair avait décollé de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris à 23h09, avec à son bord 56 personnes, dont 30 Égyptiens, 15 Français, 1 Britannique et 10 membres d'équipage. C'est la compagnie aérienne qui a annoncé l'information sur son compte Twitter. Selon les premières informations, la disparition est intervenue alors que l'avion venait de pénétrer dans l'espace aérien égyptien. Les médias du pays, eux, expliquent que le dernier contact aurait été établi 10 minutes avant la disparition. Le pilote, qui aurait 6000 heures de vol à son actif, aurait émis un message de détresse. Ce matin, plusieurs officiels égyptiens, cités par l'agence AP, confirment le crash de l'appareil. Le pays recherche à présent les débris de l'avion au large de ses côtes, avec l'aide de la marine grecque. Tous tentent de comprendre ce qui s'est passé.